Le top départ. Coup de feu pour Sébastien et ses deux serveuses. Ce soir, le camping du Sable d'Or organise un repas moule frites animé. Une soirée à laquelle participent quelques 70 vacanciers. En quantité, ça représente 60 kilos de moule, 30 kilos de frites, 7 poulets. Bref, de quoi rassasier les estivants plutôt en forme ce soir-là. Et pour animer la soirée, Mathia. C'est la première saison que le chanteur-animateur intervient dans ce camping, mais déjà le programme est bien rodé. Le lundi, c'est l'auto. Le mardi, la soirée disco. Le mercredi, les karaokés. Le jeudi soir, donc, c'est des soirées à thème. Donc, soit une soirée quiz que j'organise, donc avec des génériques TV, des génériques dessins animés. Et après, je lance des bandes-son et les campeurs doivent retrouver donc, soit le titre de la chanson, soit le nom du chanteur. Donc des petits jeux comme ça, soit comme ce soir, des soirées à thème, donc moule frites, où je fais l'animation, donc je chante pendant le repas. Et que serait un camping sans sa chanson? Eh bien, au Sable d'Or, c'est un tube de Patrick Sébastien qui a été choisi cette année. Ambiance garantie avec les sardines, mais il faut bien dire que les vacances sont aussi généralement l'occasion de se lâcher. On a dansé, on a chanté, et puis pour nous, c'est, on rajeunit 30 ans. On s'amuse, ouais, c'est bien. Ouais. Et en plus, on se fait des amis. Ça nous permet de nous connaître, parce qu'on ne se connaît pas, on ne se connaît que par l'aquagym. C'est tout. Et parce qu'on est là depuis 15 jours ensemble et qu'on a sympathisé comme ça. Pour certains, la soirée touche à sa fin. Pour d'autres, et surtout pour les plus jeunes, elle ne fait que commencer. Rendez-vous dans la discothèque du camping où là aussi les sardines font sensation. Les vacanciers profiteront de la boîte jusqu'à 2h du matin.